décide avec T-Max de rejoindre le serveur Rostoria Main, 500 slots, avec énormément de grosses teams, de très bonnes grosses teams. Et on se rend vite compte que ça va être très très compliqué, parce qu'on n'est que deux, ils sont plus nombreux, ils sont plus équipés. Mais nous, on est rusés. Et on va tout faire pour essayer de prendre le dessus sur eux tout au long du wipe, de rentrer chez eux, de deep. On va tout essayer pour prendre le dessus. À deux, on a l'avantage de pouvoir prendre le temps, de pouvoir guetter à côté de chez eux, de trouver le bon moment opportun pour essayer de rentrer chez eux. Et on le sait tous, les Zergs se sentent souvent trop sécures. Moment ils partent pour un raid ou pour une all ring, donc là c'est le moment où il faut y aller. Il faut commencer à essayer de rentrer chez eux, à essayer de les dépouiller et essayer de se mettre bien sur eux. J'ai un vrai bed. Ouais, ce serait bien. Dévorer une maison. T'as dû choper le spawn. C'est contact à l'oxium. Ah bah je le vois le scrap. J'ai tué des mecs en pot de bois. Ouais. Tu peux venir à moi? T'es où? Attends, j'ai 7 de bleeding, 7 HP, attends deux secondes. Putain, ils ont pas de son. J'ai les champis. Attends. Il y avait des mecs avec un MP5 qui m'ont passé juste à côté, mon pote. On se rejoint à la case. Hein. Ouais. M2 silencieux. Bah, nice. C'est toi qui avais à moi? Ouais. Ok. C'est moi. Tiens. Derrière nous. Ok. Vas-y, viens, on se casse. Et on a bu. Les mecs devant. Derrière nous. Devant nous. Ouais. Mort. Le pipe devant nous. Ok. Hit. Tenu rad. Oh, je me suis fait pas, puis il est sur... derrière moi. J'ai un hit. Tu l'as tué alors? Non, non, pas celui derrière nous. Oh, je me suis fait pas, il fait mort. Pipe Balvedre, fais gaffe. Il est dans la... à côté de la base. Il m'a loot. J'ai tué. Ok. T'as un lit pas loin? Ouais, mais j'ai peut-être le revive. Je te relève. Mec, j'ai hit deux fois. Bah si hein. Je vais allumer ma torche, bouge de là. Tu as tué où? Là. Viens. Comment on va faire? Oh merde! Je vais mourir. J'ai tué. Fui. Nice. Mais je vais mourir de building. Ah mais HP, je vais tomber. Non, c'est bon. Manque le coup en bas. Tiens, il est par terre. Ah non, tiens. Non. Oh non. Mais non.
Et on peut se faire des smis là. Allez, y'a des smis ? Oh non, les pics, putain, ils foutent là-bas. Ouais, y'a des smis, pas loin. Par contre, je peux pas sortir de la maison, elle me confine. Non ! Putain, dans chaque bush ici. Y'a un mec à l'arc qui va jouer le mec au début. C'est notre maman, frère. Ouais, ça lag. J'ai tué. Non, la lance. Garde la lance, garde la lance. Je suis complètement. Deux. J'ai tué. Nice. Mais attends, attends, il y en a encore un. Il y en a encore un tête de loup. Je l'ai raté. Non, mais je me suis fait compo de bois, je suis mort. Oh, il est mort. Il reste plus qu'un. C'est Bagdad là-dedans. Ils sont sur toi. Je rentre par derrière. Ils sont deux sur toi. Il m'a tué. J'ai v'là les arcs. Ah ouais? Tu sais fuir ou pas, tu penses? J'ai deux arcs, des lances. Je sais pas. Je vais essayer, hein, mais y'a un compombo qui m'attend en bas quoi. T'es où? Je peux déjà un arc. J'ai tué un compombo et j'ai un DB. Ok. C'est toi, tête non. Non, non, non. J'arrive dedans. Ouais, y'a un mec dedans. Tête de loup. DB. Derrière la box, juste derrière la box. Il est mort. Hit, hit pas. Mort. Nickel, vas-y, on loot, on se casse. Fais gaffe au compote bot. Je fais des coffres. Une camp, je crois. Je vois pas. Tu peux me booster hein, du coup, de l'autre côté là, viens. Vas-y. Bah, s'il y a une caisse, s'il y a pas de caisse, on pourra pas. Ah, mais caisse. Jamais il y a une caisse ici, mais. Si, y a une mini j'ai caisse. Il semble un mec derrière. Eh ben, il... viens descendre. Hit. Oh, super. Oh, je suis mort, dehors, y a un mec à l'arc. Où? Je sais pas, sur moi, ah oui. Je le sonde. T'as une pas loin? Ouais. Je veux dire, s'il attend qu'on soit armé là, sur ce serveur pour venir, oh bah viens demain. Ouais, c'est ça. Ah, y'a un mec devant! Tête de loup! Il est mort? Ah ouais. Putain, ton DB il marche de loin, hein. Putain, c'est loin. Tu peux looter le reste? J'ai pas son arc. Ah. Caloxium. La K est morte. Ok. En moi. Oh, j'ai raté. Il est Bolt, hein. Il est Bolt. Hein. Je l'ai tué. Bolt. Je rentre. Non, il y a des pics. Il nous cherche. Ok. Sors pas de la base. Sors pas de la base. Je stresse pas, mais j'ai quand même fait une porte en métal. Cas où. Et je suis propre gardien pur dès qu'il me dit qu'il n'y a plus personne. Il y a un mec, c'est son, mais je sais pas où il se cache. Ça va pas, je les vois. Ils sont contact la maison. Ils sont 5, ils sont 5. Devant la ouais, maison ils quoi pas loin. Ils sont pas loin, ils sortent. Je peux upgrade. Ça fait longtemps. Il faut qu'on se fasse. Tu vois là où. Là où, bah là où je suis maintenant. Ah mais ça se la met là-bas mec hein, viens on y va. Ouais foncez en bas d'une neige. Vas-y. Ouais vas-y. En fait. On y si va. Ça peut passer hein. Ouais ça tirait tellement de balles à la seconde hein. Ils sont tous moches quoi, ils sont tous entretués. Ah je les vois, ils sont devant moi. Deux. Ils sont combien? Oh la porte est ouverte, ah ouais t'as raison. Y'a même moyen de les dip en fait. Celle-là là? Ouais. T'en fuck. Je les ai contournés.
Contourne-les, moi je mets la pression. Je suis mort. Le mec au-dessus, pourquoi il fait ça? J'ai une Thompson? Il m'a touché deux fois. Fais gaffe sur toi, hein. Non, il est descendu, mec, tutoie. Ah. Ah, il est trop con. On est en train de les shoot, il aurait dû continuer. Mais non, mais la MP5 est avec lui. Il y a vraiment moyen de se mettre bien, ils sont en train de deep raid une base. C'est vraiment le moment d'y retourner, on ne lâche rien, j'y retourne déjà plusieurs fois, au DB et au pipe, ça passe pas. Mais au bout d'un moment, ça va forcément payer. Ça paye toujours de ne jamais abandonner, vous le savez les petites loups. Ouais. Non. Mais je suis dedans, mais y'a personne. Il vient de me tuer, y'a deux. Mais what? Je l'ai tué. Mais what? Je les ai tués, les deux. Loot. Loot la tenue rap, Je l'ai looté, il avait pas d'armes. Il avait pas d'armes, tiens. Donne un DB. Garde la porte à gauche, derrière, là. Là, ici. Là, garde celle-là. Ouais, tu peux dire. Oh, y'a des trucs. Attends, lève-toi, je passe. Ça arrive de l'extérieur. Ouais, je sais. Parti, il va revenir 100%. Je les ai pas entendus ouvrir la porte. Je vais looter à l'extérieur. Je t'ai looté toi. Ils ont ouvert la porte maintenant. On va dépôt. J'ai BP échelle. C'est bon signe, c'est un peu. DB échelle, faut qu'on la prenne. Il y en a un, hein, c'est chiant. Regarde le temps, des trucs comme ça. Y'a mes contacts. Bon, commence à être pas trop dégueu en armes, c'est très compliqué, le serveur est vraiment full. Entre 400 et 500 personnes sur le serveur, c'est vraiment insane, c'est l'un des plus durs sur lequel j'ai pu jouer. Là, l'objectif, ça va être de récupérer encore quelques petites armes, parce qu'on est deux, mais les autres jours, je serai souvent solo, parce que T-Max travaille. Il y a juste 2 ou 3 heures en fin de journée où il sera là, là où il y a le plus de monde sur le serveur, donc c'est plutôt cool. Mais là, il va falloir qu'on banque plus d'armes, parce qu'après, je serai tout seul. Ouais, c'est voir. Il y en a qu'elle à notre gauche. Il y a un mec qui fait des caisses, c'est voir. Il y a un mec au recycleur qui va faire la carte. Il est d'un bat. Je suis mort, Je sais pas, il était piton. Il est mort. Ouais. Prends le toit tant que ça. Pas pour vous. Ah mais tu peux même plus monter là sur le toit là-dessus. Non. Je peux pas, je suis là. Je vais ramener les pétards. Y'a un mec stuff à la droite. C'est eux qui reviennent. Python.
Il y a des morts. Dis-loot. Il y avait qu'un piton. Ah ici. Ouais, un piton je pense. Il y a un mec compo de bois qui nous campe. Je lui ai mis une tête. Non, une tête. Il est pas compo de bois, il est juste à l'arc. Vas-y, va te dépôt, va te dépôt. Pour trouver les cadavres là dans ces conditions. Aïe aïe aïe. Il est où? Bah, je l'ai tué par là, non? Allez. Ouais, il nous faut des coffres par contre, non? Bah, ouais, je sais pas où vider. Je viens de tuer deux mecs. Il y a deux mecs. Quoi? T'as pas entendu Naka contacter la maison? J'aurais bien aimé savoir. Que t'aies entendu un mec contacter. Ah, il y a Naka, non? Un mort? C'est pas la K la tête de loup quand même. Si, si, c'est sûr. Je suis mort silencieux. Je sais pas où il est. Le mec. Y'a un mec. Y'a un mec Tommy Naked. Mort? J'arrive avec un cochon. Attends, attends, attends. J'ai pas de balles. Ok. C'est bon, t'as tout loot? Non, 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 c'est pas. Deux morts. Ok. Je vais faire la carte pour looter. Ok. Cover. Y'a un mec, staff. Mort. Deux, headshot double, hit. Je crois qu'on s'est entretué. On s'est entretué, et j'ai tué Nazmat. Un peu plus loin, je vais aller la loot. Garde le terre-terre, mec. Sur moi, sur mon corps, il y a des seringues, mets-toi plus vite. J'ai tué une MP5 là, je vais aller la loot. Oh, je suis mort, piston contact. MP5, les deux Thompson sont sur mon corps. J'ai la tienne et la sienne. Il est en train de loot, il bouge pas. Oh, moi, c'est le moins de pas. Ok, sur mon corps, il y a des Thompson, mais je pense qu'il y a des. Je sais, je sais. Purée, c'est un peu de fou. Vas-y, je banque ça et après on va voir si il y a Naka. Trop tard sur moi. Oh, je pense qu'il y a Naka. Je vais mourir. Je suis mort. Derrière là, un par un. Il est en train de lutter sur les corps, Azmat. Encore un, à droite, plus à droite. T'as tué le premier. Je suis mort. Il y a 4 balles. Il y en a un. Il est mort. Ok. Il est mort. Je suis mort, Akia. Ouais, je l'ai tué en fausse. Ouais, ça garde la porte, je peux pas sortir. Bon, on n'est pas gagnant sur le fight, mais c'est pas grave, on s'est bien amusé, on a quand même récupéré l'équivalent de ce qu'on avait déjà avant, donc une MP5, quelques pitons, tout ça, mais on n'a pas réussi à banquer plus que ça. À chaque fois, on est mort à l'extérieur et sans pouvoir se router, au bout d'un moment, ils ont compris qu'on habitait dans une 1 sur 2, ils ont campé la porte, c'était fini pour nous. On décide de partir voir un petit peu les grosses bases à côté de chez nous, parce qu'on est sur un serveur full vanilla, avec énormément de grosses teams. Vraiment un très très gros serveur à 400-500 slots, ça dépend des fois, ils augmentent un peu. Donc il y a vraiment des très grosses teams, donc il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Oh, je tape du bois. C'est la fin pour nous ici par contre. Ah, il y a une échelle, il y a déjà une échelle, mec. Ouais, il y a une échelle. Ouais. T'as des bandages toi? Ouais. Mais je suis fou de vie. Mais ça, c'est les mecs à 5, non? Je sais pas. Je peux pas monter sans toi. On va monter à l'échelle. Oh, il est passé. Rien à foutre, je passe aussi. Allez, je la quête du coup. Mais t'es bien là, y'a un trou frère, y'a des trous, c'est. Vas-y. Mais qui des cons, les gars. Tiens, je voulais rentrer moi aussi. Mais ça sert à quoi pour looter deux fours? Ouais, je voulais pas looter les fours moi. Tu voulais quoi? Je sais pas, on aurait tenté de percer. Hein. Merde, il est sorti. Il va sortir côté gate. Bah ouais, on aurait dû tenter de percer, j'en étais sûr. Il sort du côté gate, de, ouais, gauche, côté gauche. Côté gauche, côté gauche de l'échelle. Je suis sur le coup.
Gazmat. Oh, c'est lui le robot. Ouais. Je peux tout en envoyer ou pas? Non, bah non. Ah, je suis dead. Je suis deep. Ah, c'est pour ça que je voulais rentrer, mais je sentais bien comme ça aussi. Mais je suis un epic down, je suis un petit peu dans la merde. Je suis à l'étage, ils vont rien comprendre. Tu es PMP5 ou quoi? Je fais un very carnage. Ah mais tu ressors quoi? Bah... il se verrait compliqué sauf si j'arrive à le tuer, je peux te faire... Si j'arrive à le tuer qui revient d'exter, je peux te filer des trucs, mais faut que tu reviennes d'exter toi aussi. C'est bon, j'ai la porte ouverte, si tu viens maintenant, je peux tout te filer. Je suis parti. Nice. T'es parti comment? J'avais une échelle, j'ai tué porte ouverte, j'ai pris l'échelle, je suis passé dans les pics. Nice. Je suis là. Viens. J'ai full souffle sur moi aussi. Ah ouais? Ouais. Eh ben. Tiens. Bon, c'est parfait, ça permet de récupérer un petit peu de métal, un petit peu de sulfure. Le métal, je vais m'en servir tout de suite pour upgrade la maison. Après ça, on va pas tarder à se coucher. Le lendemain matin, je me retrouve solo le temps que T-Max arrive. Et le premier truc qui me vient à l'esprit quand je me connecte, c'est aller revoir la grosse base qu'on a deep à moitié hier. Et pourquoi pas tenter de deep un peu plus loin aujourd'hui, on sait jamais. Qui ne tente à rien n'a rien. En plus, c'est le matin, la tête dans le cul, tout ça, ça peut que passer. Tourelle dans les pics. Merde. Renfour qui tourne. Je vais quand même aller checker. Hein. Mais lol. J'ai pas de soin à l'air. Faut que j'essaie de passer la tourelle lance-flamme. Mais non. Mais non.
Je sais pas si je pourrais mettre TTC. Je peux pas mettre TTC. C'est vraiment un truc de fou. Je me doutais, le matin, forcément, ils devaient avoir un petit peu la tête dans le cul, se sentir sécure, parce qu'ils avaient leur enceinte, mais faut activer les tourelles. Du coup, forcément, après ça, j'ai jamais réussi à rentrer. Jamais. Ah bah les tourelles étaient bien activées, les portes bien fermées, j'ai tenté, mais j'ai jamais réussi à repasser cette porte. Non. Jamais. Bon, au bout d'un moment, c'était sûr qu'à force, peut-être qu'ils allaient comprendre que les portes, faut les fermer. C'est pas grave, je vois avec la rediff, je me dis, j'aurais peut-être dû mettre 2 C4 sur un mur. Au lieu d'essayer de passer à l'échelle. J'ai pas trop réfléchi, ou même juste un C4, et après je tire à la balle dedans. J'aurais pu sortir plus tranquille. Je sais pas ce qui m'a pris de vouloir sortir avec une échelle. Bon, j'avoue que j'étais un peu en panique à ce moment-là. Bon, c'est pas grave. Après ça, j'entends qu'il y a un petit raid écho qui est en train de se passer juste à côté de chez moi, je décide d'aller counter. Merde. Ma poule. J'ai hâté de... Ça c'est fait. Tra, il nous a mis trop bien. Tirer des AOK, ça pourrait nous être bien. Il se verrait compliqué. Et merde. Ça arrête là-bas. Ah mais ça arrête juste une T6T je crois.
Encore? Mais je comprends pas, ils sont cons quoi. C'est bon, this is secure. Eh ben, arrête d'une base qui a duré 4 heures. C'est pas dégueu. Il y a un petit peu de quoi, un petit peu de quoi, je pourrais avoir fait une partie du métier. Petite matinée qui commence plutôt bien, pas mal de petits fights pour le moment, c'est cool. Il n'y a pas non plus énormément de monde sur serveur, peut-être 200 ou 300 personnes. Donc ça va, solo je peux encore gérer. Du coup je décide de direct aller voir la base la plus proche, actif. On est passé tout à l'heure à côté, il y a vraiment moyen de la dip, la porte est sur le toit, donc on va aller tenter ça tout de suite. Bon, j'ai eu un petit problème sur mon rec, il y a quelques petits lags, ça vient pas de vous, ça vient de moi, j'essaierai de régler le problème sur les prochaines vidéos. Après ça, je tente d'y retourner, mais il y a toujours la LR qui reste au silencieux, au loin, je peux pas m'approcher. Mais c'est pas grave, on tentera la deep un peu plus tard celle-là. En attendant, il y a T-Max qui se connecte, et il y a un gros raid qui se prépare à côté de chez nous, on voit les counters direct. Ah, j'aurais dû tenter de faire comme toi, mec, t'es tellement allé loin. Mort, je crois. Non, non. Ouais, il est lourd. Il est mort. Ah ouais, effectivement, il est bien. Limite, j'ai envie qu'on prenne ça, tu sais. Ah, je suis mort. Mais on peut pas approcher, il y a des tourelles de chaque côté. Ah bon, elle deux. Marche, ah, je suis mort la tourelle. Ah, mais deux, la tourelle. Après, s'il faut, on a de la gunpoint à la maison. Je fais des grenades. Oh bordel. On fait ça? Je nous fais plein de grenades et on va les grenader.
On va leur chier leur raid, frère. Vas-y, viens, on repart d'où on était là. On essaie de mettre quelques walls. T'es prêt à le nade, lui? Le devant, ouais. J'en ai tué. Aïe, aïe. Oh. Tiens, des soins. Un mort au raid. Y'a plus de balles dans les... Dans la tourelle derrière toi. Stuff toi. Il me faut des balles. Ah non, je suis mort. T'essaies de fuir mais tu pourras jamais. Non. J'ai rapproché le corps vers la dernière... J'ai un DB. J'ai tué la M2. Y'a une AK, une AK, une AK. Attends un peu. Sois cool. J'ai tué un mec. Attention, j'ai mis une grenade vers toi. Recule. Ah, je sais pas où t'as tué, je vois rien dans le noir. J'ai des roquettes, je me casse. J'ai pas la cale par terre, j'ai une SMG. J'ai un lance-roquette et... C'est bien, on s'en fout. Pas avant. Je fais quoi? Je prends l'SMG quand même ou pas? Ouais, je suis plus dur. J'ai la cage, j'ai qu'une balle, j'ai le seum. J'ai raté la balle. Oh, j'ai tué la cage. J'ai tué une EP5. Je suis mort, M2. Ah ouais, c'est bon. Mais pourquoi il a qu'une... Putain, il avait qu'une balle dans son... Il y a toujours mon SMG par terre, normalement. Je la vois pas. Elle est où? Elle est là. Ça sort de la base. Mort, l'AK. Tu es mort? T'as tué la carte. Deux morts. Non, et encore l'M2 qui me tue. Je me casse, j'ai une demi. Franchement, un gros GG aux raiders. Parce que franchement, raid sur ce serveur en un à cet endroit-là de la map, c'est kamikaze. Bah clairement, tu sais que tu vas te faire counter par au moins 100 mecs naked au DB. Ça va être impossible. Franchement, GG à eux. Faut avoir des sacrés coronets. Bon, nous, on a récupéré quelques petits trucs, mais franchement, pas des trucs de ouf non plus. Un Staff HQ, une SMG, une Thompson, des roquettes. Deux, voilà. T-Max, tout à l'heure, avait quand même une ligne de roquettes sur lui, mais il a pas réussi à le ramener. C'est pas grave, c'était super sympa comme counter raid. On continue. Et on lâche rien. Il est semé à sort. Oxygène. Sur le toit ou en bas?
T'es mort? Deux. Attends un peu, j'ai pas ça. Il y a encore un. Je sais pas où. Un autre très low, très très low, il a pris une tête. Il est mort. Je crois que je les ai tous tués. Tu peux looter? Ah yes. C'est bon, j'ai une semi. Tu veux une semi? Il avait une semi ou pas? Non. Tiens. Y'a un mec, y'a un mec. Oh, tu m'as mis une tête, frère! Excuse, j'ai mis 3 têtes. Ouais, ouais, la 3ème, c'était moi! Ah, bah j'ai rafalé, j'ai pas prendre ma vie, il y en a un des deux. Oh, je vais mourir! Il est où? Je sais pas. T'as pris la sneak chez toi ou? Ouais. Il a pris une tête? J'ai activé, désolé. Ah, ouais, bah. Évite quand je suis aligné quoi. Ouais, ouais, bah j'ai vu, ça fait crac. La remontada! Tu veux que tu me sonnes? Bah, je vais me faire un café moi. Et après, c'est dernière ligne droite, les gars. Ah! Non, je voulais manger plein de patates! Putain! J'en peux plus! Fais des seringues quand tu vas te faire le café. Ouais! Mais faut que je fasse du vélo. Bon, après toutes ces petites émotions. On part se coucher, du coup le lendemain matin je me retrouve solo, je décide de farmer comme un petit cochon du sulfure et de faire des satchels. Il y a un voisin qui s'est installé à côté de chez nous, il a pas une très grosse base, c'est une 2-2 bunker. Logiquement, si je pète le bunker, il est en métal, je devrais arriver sur de la porte de garage et de la porte sheet. Donc je fais une petite quarantaine de satchels et on va utiliser 2 roquettes du raid. Allez, pète, 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 pète. Je sais qu'il y a une chicken trap. La roquette ici, ça a pas pété à porte. Je suis un peu dans la merde. Mais non. Mais non. Ah, j'allais dire, y'a rien, frère. Ah, j'ai eu peur. Ok. Pas dégueu. Si je sécure. Oh, on n'est pas très rentable hein, quand même. Mais ça fait un voisin en moins. Et ça fait des armes. La gunpo, la rentabilité n'y est pas trop. Il y a un petit peu de compo, un petit peu de lolo, il n'y a pas de tissu. Je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir des problèmes de tissu. Il y a des armes, on en a. Ça c'est cool. Ah, l'étage. Ok, il y a un étage. Oh. Je crois qu'il y en a.
On n'est pas très rentable, mais c'est pas grave. On récupère quand même pas mal de petits trucs sympathiques. Je transfère tout, je refais des satchels et je repère une petite base à côté qui nous coûtera beaucoup moins cher. Mais par contre, il n'y a pas d'enceinte. Donc forcément, je risque de me faire counter et ça va être très compliqué parce que je suis solo. Donc ça pète vite. Ça peut être très très vite. Genre, genre maintenant la dernière, tu vois. Genre tout de suite maintenant. Maintenant tout de suite. Genre maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Tout de suite. Salope. Oh la pute. Allez, vite, 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 vite. Maintenant, s'il te plaît. Putain, c'est pas la TC. Mais oh. Mais non. Il y en avait une qui ouvre sa porte. Mais non. Je m'en doutais, je m'en doutais. À quel moment il n'y a pas la PC? Ok, jouez-vous, jouez-vous. Moi je tue le last. Derrière une base. Je vois pas.
Aïe 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 aïe. Mais non. C'est impossible. C'est impossible. Ils sont trop nombreux. Ils vont forcément me choper. Ça m'a fait peur. Mais non. Malheureusement, c'est le problème du solo. C'est... Arrêtez tout seul, forcément, eux, ils sont beaucoup plus nombreux que toi. Et j'ai beau les tuer, forcément, si je loot pas toutes les armes, il y en a toujours un qui va réussir à se relooter. Mais bon, c'est pas grave. T-Max se connecte, décide d'aller camper une base que j'avais campée en solo le jour d'avant, et voir s'il n'y a pas moyen de les deep, sachant qu'on connaît un petit peu la base. On peut toujours essayer. Ouais, il est là. La porte est à droite. Il y a une shotgun trap. Quand tu regardes la porte, à gauche, collée au mur, et du coup, elle regarde vers la gauche, la shotgun trap. Donc tu peux passer. Mais il y en a sûrement une en dessous aussi. Toutes les portes sont ouvertes en volant. Elle est à gauche, elle regarde à gauche. Je me colle à droite, c'est good. Ouais. Je la vois, la chicken trap, juste devant moi. Je vais tenter de passer, gros. Je l'ai tué. Semi. Si tu glisses là, tu descends, t'es bon. Vas-y, dip. Tiens, prends les... Casse-les. Merde, mon DB. Je suis passé aussi. Garde la porte. 100% il y en a une autre. Mets-toi à ma place, j'ai cassé les bagues, gros. Attends. J'ai pas d'arme. Tiens, DB, tiens. Non, tiens, la SMI. Non, mais il y a M92 normalement. Il remonte. Tu peux pas la prendre, la SMI. Aïe. Il va refermer. Il t'a enfermé? Ouais. Merde. Y'a pas un corps là. Tu peux sortir toi? Ouais. J'ai un 92. La shotgun trap, j'espère qu'elle est.
Faut que tu baisses la tête. Ils sont cons, ils les mettent à chaque fois en haut. Ils peuvent pas revenir d'exté, ok. Il est obligé de t'ouvrir de l'inté. Bah, j'ai juste un 80. Putain, la Smith, je suis deck, t'as pas un. Non, j'ai pas de corps qui. Il y a pas un corps qui dépasse. Le feu de camp, il dépasse. C'est trop fort. Tu as tué? Bah, non, je suis mort. Mais c'est pas du tout. Ouais. Je fais pas ça là, comme ça. C'est pas une descente. J'ai envie de tenter. J'ai tué MP5. Non, il m'a baisé. Ils étaient deux. Merde. J'ai passé à Shingatrap Kinami, j'ai fait de la merde. J'ai pas pu remonter la tête assez. Oui, bah bon. Non, je suis mort. Ils sont deux à avoir la ligne, pote. Ils montent sur le toit. Ils galèrent à monter. Je vois plus. Un mort. Deux morts. Porte ouverte. Toute porte ouverte. J'ai envie d'y aller. Il est dans deux secondes, je peux passer en premier si tu veux prendre le call. Vas-y, vas-y. C'est toi là? C'est moi qui rentre. Prends un DB. Prends des soins sur les corps. Dépêche-toi s'il te plaît. Descends, Matt, descends vite. Baisse la tête et descends. Baisse la tête et descends. T'as pris des balles? C'est bon, t'es passé? Ouais, je suis passé, je suis passé. Yeah, bah, c'est ça qu'on veut. T'as bien bait, hein? T'as bien bait. T'as pas fait exprès, non? C'est quoi? Des bait en faisant c'était que t'étais mort. Oh bah non, ils m'ont piqué à deux, mon pote. J'ai mis un coup de DB, il m'a tué. Ah, parce que j'ai changé de pause, je me suis mis direct à droite, tu sais. Ouais. Parce qu'ils avaient vu que j'étais à gauche. Là, se battre, voyons. Tu sais où ils se mettent maintenant. Tu veux des soins? T'es full vie? Tu veux une tonnerre? Tiens. Je suis full vie, je suis full vie. Ouais, je vais bien. Oh merde. Je suis mort? Non. Non, fais pas si que tu l'as vite, fais pas si que tu l'as vite, casse là si tu veux, mais la vide pas. Mais bah, je voulais pas la vider, je suis ramassé. Y'en a l'autre ou quoi? Non, faut juste être collé full à gauche pour pas qu'elle tire. Ah ouais, ça va être tendu. Bah là, tu sais ce que tu fais, hein. Tu cours tout droit, tu vises, tu cours tout droit. Ouais. T'as des coffres ouverts ou pas? Ouais, j'ai tout. Vas-y, avec les coffres, tu casses la TC, tu mets ta propre TC. Casse le lien en premier. Moi, je cover. Lance roquette, pas l'explo. Ah ouais, d'accord. Bah yes, tu sais quoi faire. Fais-toi une TC. Lance grenade, poc-poc. Tiens. Peut-être que j'arrête de foutre comme un porc, moi. Il reste 30 balles. Hein. Peut-être que j'arrête de foutre comme un porc, moi. Reste 30 balles, ouais. Mais écoute, je vais attendre que tu sécures bien. Rien pour la péter. Bah t'as des balles explos, t'as pas de semi? Y'en a qu'une. Aucune balle explos? T'as pas des balles, des... T'as un DB? Est-ce que tu veux un DB avec des balles? Je peux te filer par le feu de camp, un truc. Hein. Ouais, bonne idée. Bah en vrai, non, y'a pas besoin. Y'a un mec en bas, non? Ouais, il est mort. Vas-y. Comment ça transfère? Ouais. Ah, frame des pannes. Voilà les petits dudes, fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était un web vraiment très très difficile. On était sur Rostoria Humane en duo. Très très dur. Hein. Je pense pas que je vais refaire tout de suite un web sur ce serveur parce que les gens sont vraiment très très bons sur ce serveur et très nombreux. 500 slots. Donc ça pique. C'était vraiment dur mais aussi super 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 intéressant de faire ça en duo. Je sais pas si un jour je testerai en solo. Mais j'ai un doute quand même, c'était vraiment très très dur.
Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche, c'est très important. Et je vous dis à la prochaine vidéo, dimanche prochain. Tous les deux.